Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo découverte. Aujourd'hui, nous faisons un arrêt sur le nouveau pack sorti en ce mois de janvier 2016 pour Project Cars. Le pack se nomme Stance Works Track Expansion, puisque ce dernier comporte une piste en plus de 4 voitures. La voiture que vous voyez actuellement tourner est la voiture gratuite ajoutée au pack, la Ford Falcon, issu du championnat australien de V8 Supercar. Il était logique donc de la faire tourner sur Bathurst. Ce pack est disponible sur toutes les plateformes sur lesquelles vous pouvez retrouver Project Cars, donc Xbox One, PlayStation 4 et PC, donc Steam, pour la somme de 5,49€. On va faire ensemble un petit tour d'horizon de chacune des voitures et on va dire un petit ressenti, comme vous me l'avez demandé, sur chacun des bolides. Premier bolide concerné, la Ford Falcon, issue du championnat V8 Supercar. C'est un modèle qui n'est pas le tout dernier en date, évidemment, mais il est assez sympathique pour ceux qui sont fans, comme moi, de Super Tourisme. Vous allez y trouver votre compte avec un V8 avec un couple assez ahurissant, surtout dans les enchaînements de cette piste de Bathurst. Vous allez vous amuser. Donc, une voiture qui est gratuite, donc vous n'êtes pas obligé de débourser quelques écus de votre bourse pour pouvoir profiter de cette voiture. Et je vous incite même à foncer rapidement avec cette voiture sur pas mal de petits circuits britanniques, notamment parce qu'elle en vaut la peine. Deuxième voiture de ce pack, la BMW M1 Stance Works. Alors cette voiture n'a plus grand chose à voir avec la M1 que vous pouvez trouver chez votre concessionnaire. Elle est utilisée ici sur la piste de Sakito et une voiture très impressionnante de par son adhérence en virage et son grip cloué au sol, évidemment, avec ses immenses appendices aérodynamiques.
Elle vous donnera beaucoup de plaisir sur les pistes un peu plus serrées et les enchaînements. Essayez de préférer une piste comme Brno par exemple ou Donington pour vous éclater avec cette voiture qui est plutôt sympathique et qui envoie du très très lourd. La liste des petits jouets que vous pouvez vous payer pour aller vous amuser sur les circuits eh bien, était quasiment complète dans Project Cars et pourtant il manquait un modèle eh bien, d'envergure, à savoir le KTM X-Bow ou Crossbow. Un petit salut à Dopamine. Eh bien, cette voiture fait son entrée dans ce pack et elle est plutôt sympathique à piloter. Ce côté barquette un petit peu très légère et très rigide, un moteur également très agréable et vous voyez surtout évoluer cette voiture sur la piste qui est ajoutée. La petite session que je me suis faite m'a fait découvrir cette portion de route écossaise. Évidemment, il fallait bien qu'il pleuve puisque nous étions eh bien, du côté de l'Angleterre. Et cette voiture est vraiment sympa à piloter. Elle ne va pas apporter quelque chose de transcendant. Ce n'est pas la plus iconique du pack. Mais voilà, c'était entre guillemets pour compléter la collection.
On fait un bond en arrière de quasiment 40 ans et on se retrouve sur la boucle nord en compagnie de la BMW 2002. BMW déjà disponible dans Project Cars, mais pas en version Stenworks, une version survitaminée de la petite bombe bavaroise qui fait tout à fait le travail. Et personnellement, eh bien, ce n'est pas parce que je suis BMiste, mais j'ai pris un pied dingue avec cette voiture sur la Nordschleife. Vous allez le voir, je me bats avec le volant et je suis à chaque fois à la limite de récupérer la voiture. Sachez que j'ai fait quelques petits setups évidemment avant de me lancer sur l'enfer vert, mais cette voiture est vraiment très très agréable à ressentir. Vous avez le train arrière qui part un petit peu comme l'Alfa Romeo GTA, mais ici eh bien, il est quasiment impossible de s'arrêter. J'ai fait 3-4 tours vraiment non-stop alors que je devais encore tourner le reste des voitures et les découvrir pour avoir un ressenti. Mais sincèrement, je vous ai laissé un petit peu plus de temps en compagnie de cette BMW, surtout pour profiter de ces glissades nombreuses que vous allez d'abord vivre en caméra embarquée et ensuite en vue télé sur la boucle nord. Ça en vaut vraiment le coup.
Et enfin, si l'on pouvait satisfaire bon nombre de passionnés de sport mécanique, il y avait bien un genre oublié jusque-là. C'est le drift avec cette nouvelle Mazda MX-5 surboostée avec des échappements sortant directement de la pipe d'échappement. C'est assez hallucinant à travers le capot. Vous allez vous prendre des flammes à travers le casque, c'est décoiffant, c'est incroyable. Voiture réservée évidemment aux têtes brûlées puisque eh bien, elle est de base configurée pour pratiquer le drift, chose que je n'aime pas faire et que je n'ai pas fait. Je me suis dirigé vers la petite piste du Bugatti au Mans pour tester cette voiture qui a beaucoup de couple à bas régime, qui une fois que vous êtes en 4-5ème est absolument instable en ligne droite, mais c'est normal, cette voiture est faite pour enchaîner les courbes rapides comme ça peut être le cas, on citait Brno tout à l'heure, voilà un bel exemple de piste pour vous éclater, ou encore Caldwell Park. Voilà, c'est ici que va se conclure cette vidéo de présentation avec donc l'ensemble des bolides. Vous pourrez retrouver le lien pour télécharger ce pack sur Steam dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à vous-même me donner un ressenti sur eh bien, ces voitures si vous achetez le pack et si vous voulez tester. Si pas, dites-moi pourquoi pas laquelle vous donne le plus envie. Pour ma part, j'ai un petit faible pour la 2002 Turbo Stenceworks. Merci les amis d'avoir suivi cette présentation qui a duré un peu plus d'une vingtaine de minutes et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures en piste. Ciao !